moi c'est les divins, les divines. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc voilà, nous nous retrouvons pour un horoscope spécial mois d'août. Donc évidemment, c'est un tirage général, donc ne prendre que ce qui vous concerne et que ce qui résonne en vous. Hein, sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant. Hein, il y aura peut-être plus d'informations qui seront plus en concordance avec les événements du moment de votre vie. Très bon anniversaire à ceux qui vont le souhaiter, pardon, pas le fouetter, quoique, au mois d'août. Hein, donc il y aura une partie des lions et des lionnes et une partie pour les vierges à partir du 23 août. Sinon, bah, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et courage aux autres. Hein, votre tour viendra, à moins qu'il soit déjà passé. Dans ce cas-là, bon courage. Donc voilà, je vous laisse écouter votre vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et puis de soutenir la chaîne hein, que je fais en amateur. Voilà, à tout de suite pour l'horoscope mois d'août, signe par signe. Namasté. Namasté les taureaux et les taurettes. Alors, ce mois d'août, quelle va être la tendance? Donc, avec l'oracle à l'esprit des animaux, pour un petit peu l'ambiance générale, vous avez eu un beau corbeau blanc. Et oui, ça existe. Hein, toujours en pendant du corbeau noir, automatiquement. Et le corbeau noir, c'était pour les béliers, les bélières. Ensuite, donc, au niveau de la symbolique, là, on reste, comment dire, dans quelque chose où vous allez trouver, bon, pour certains d'entre vous, et j'espère le maximum, trouver un certain équilibre. Hein. Donc, vous allez croire, je veux dire, vous allez être vraiment dans le positif. Hein, et si, malgré les expériences ou les épreuves, hein, selon les cas, vous garderez toujours ce côté du verre à moitié plein, hein, ce qui est une bonne chose. Et en même temps, vous voulez vraiment croire en la magie de la vie. Alors, je sais, c'est pas toujours facile, hein, selon les cas. Mais voilà, il y a vraiment ce côté de retrouver quelque chose de paisible, quelque chose de singulier, quelque chose d'équilibré. Hein. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là pour le mois d'août, les taureaux et les taurettes. Ensuite, avec la numérologie, vous avez eu l'intelligence du cœur. Voilà. Donc, 27. 27, ça fait 2 plus 7, ça fait 9. Et 9, c'est tout le côté altruisme, les émotions, les aides aux autres. Hein, vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là aussi. Et c'est peut-être aussi pour ça que certains d'entre vous vont trouver leur équilibre, leur harmonie, hein, avec justement en s'occupant d'autres, mais bon, dans une certaine limite quand même. C'est-à-dire, c'est un investissement, mais volontaire, pardon. Et si vous avez envie de dire non, vous allez dire non. Mais si vous avez envie de dire oui, vous allez dire oui avec plaisir. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Il y a vraiment, vous allez pas réfléchir avec votre tête, mais avec votre cœur, donc avec le quatrième chakra. Et en même temps, avec le 9, il y a ce côté comme si vous tournez la page de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Hein, donc automatiquement, si ça se termine, il y a un autre commencement. Et donc je pense que c'est peut-être maintenant, vous êtes peut-être dans un autre état d'esprit, dans d'autres désirs, hein, au niveau de votre vie. Hein. Donc, et justement, le mois d'août s'y prête. Donc peut-être parce que vous êtes en vacances, parce qu'il y a peut-être moins de bouchons sur les routes. Enfin bon, bref, vous êtes vraiment dans une autre dynamique. Et justement, vous profitez d'un certain environnement, d'un certain entourage, justement peut-être pour aller plus vers ce qui est en adéquation avec vous-même, plus ce qui est avec votre intuition, avec votre ressenti. Hein, il y a vraiment, on sent bien ce désir d'aller, pas forcément autre part, mais d'une autre façon. Hein. D'autres iront autre part, ça c'est sûr. Mais là, il y a vraiment ce désir de faire les choses autrement et plus avec, je veux dire, plus de sentiments, plus d'émotions. Alors, peut-être que vous n'en aviez pas, mais plus avec votre cœur et plus, bon, quitte à réduire les connaissances, les relations, mais aussi, comment dire, vous voulez être vraiment dans une certaine paix. Hein, il y a vraiment ce côté de besoin de zénitude, si on peut dire ça comme ça. Et donc ensuite, vous avez eu les progrès. Alors ça, c'est pareil, comment dire, vous voyez, vous êtes maintenant dans une dynamique où justement, ça va vous permettre, cette période du mois d'août, de faire un pas de géant pour avancer vers ce que vous avez envie d'aller.
Il y a vraiment, vous êtes vraiment là, vous avez fait pas mal d'introspection, pas mal d'études, vous êtes renseigné, vous avez fait pas mal de démarches afin de mieux vous connaître, de mieux voir pourquoi vous évoluez dans tel et tel environnement, avec tel et tel entourage. Hein. Et donc là, vous êtes vraiment, on voit bien en plus, il y a des petits pas, des petits pas sur la carte là. Et donc, vous voyez que vous avancez et qu'au fur et à mesure, bah, ça va de mieux en mieux. Hein. Il y a vraiment ce côté de progrès, hein, comme vous pouvez lire sur les bulletins scolaires. Ensuite, vous avez eu cultive l'optimisme. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on en revient aux autres cartes précédentes. Et même si c'est des jeux différents, hein, on voit bien que vous êtes vraiment dans cette dynamique de tout, entre guillemets, de tout positif. Dans le meilleur des cas, vous essayez vraiment de voir ce fameux verre à moitié plein. Hein, c'est vraiment votre dynamique, c'est vraiment votre essence pour pouvoir avancer justement. Et ça vous permet justement d'aborder les choses autrement, hein, même si elles ne sont pas forcément agréables, hein, pour certains et certaines, hein, c'est pas forcément pour tout le monde. Donc il y a vraiment ce côté, voilà, de cultiver le positif, hein, même si ça sera peut-être pas forcément toujours facile. Mais vous êtes dans cette dynamique-là. Donc à partir de ce moment-là, s'il y a des problèmes ou des expériences non agréables, ça vous permet de mieux les surmonter, de mieux les détourner ou de mieux les résoudre. Ensuite, avec le rêve du chaman, vous avez eu les femmes des bois adaptabilité. Je l'ai presque dit du premier coup. Hein, donc là, c'est pareil. En fonction des situations, en fonction de ce qui peut, entre guillemets, arriver par surprise, qu'elle soit agréable ou pas, vous allez, justement, comme vous êtes dans cette dynamique de tout positiver, ça vous permet de mieux vous adapter aux circonstances, à votre entourage, à votre environnement. Vous voyez, c'est vraiment confirmé par les cartes. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu mariage. Alors bon. Les fées se joignent à vous pour célébrer ce bonheur conjugal. Donc, certains et certaines d'entre vous vont se marier. Hein. Bon, c'est pas tous les taureaux et les taurettes qui vont se marier. Mais en même temps, ça peut être aussi signe d'association, peut-être aussi signe de, comment dire, de sorte de communion avec d'autres personnes qui sont dans la même dynamique que vous, qui sont dans le même état d'esprit et qui sont dans cette même volonté de positiver. Donc, c'est en même temps, il y a ce côté d'union, mais ça peut être, on va dire, sur un plan plus fictif, hein, plus virtuel, si on peut dire ça comme ça. Hein. Donc, c'est vraiment, vous allez vous entourer parce que vous êtes vraiment dans cette démarche de tout positiver. Donc, même au niveau du relationnel, hein, vous allez faire en sorte d'aller vers ce genre de personnes qui ont les mêmes vibrations que vous et en même temps, comment dire, apparemment vous êtes dans cette dynamique-là, vous allez attirer ce genre de personnes, donc automatiquement, qui seront automatiquement en adéquation avec vous-même. Non, ce que je disais deux fois automatiquement, ça me perturbait. Ensuite, vous avez eu la carte gestation avec un beau petit bébé dans un cœur. Donc là, bon, après le mariage, le bébé, hein, chose logique, hein, dans cette société où tout est. Hein, non, je rigole. Donc, pour certains et certains d'entre vous, en même temps, après le mariage, il y aura le bébé. Hein, c'est dans la continuité. Mais en même temps, je pense que le fait d'être dans un autre état d'esprit, on va élargir la signification de la carte. Hein, ça peut être des projets en cours. Donc, que ce soit un déménagement, que ce soit un nouveau boulot, de se mettre à son compte, tout simplement de repeindre la maison. Voilà. Il y a vraiment des trucs. Du fait que vous allez être vraiment dans une dynamique, vous allez vraiment vouloir aussi tout transformer ce qui vous entourait avant, alors soit en l'améliorant, soit en changeant complètement. Hein, donc il y a vraiment ce côté en même temps de projet d'aller plus loin encore, de voir un autre horizon, de voir d'ouvrir d'autres portes. Donc voilà, dans la gestation, il y a ce côté, vous allez mûrir sur certaines choses et donc faire des projets, hein, pour le futur assez proche, mais tout va se décider en août. Ensuite, sur le côté émotionnel, vous avez eu printemps. Donc là, bon, au niveau de la période, ça, certains d'entre vous, ça sera pour le printemps, donc presque dans un an. Mais je pense que là, c'est surtout, faut faire une image dans le sens où tout est en train de fleurir, c'est-à-dire toutes vos graines sont en train de germer, sont en train de tout ce que vous avez semé au cours des dernières semaines, des derniers mois, voire des dernières années, c'est en train de fleurir, c'est en train de sortir de terre. Donc, que ce soit vos projets, vos envies, là, tout commence à prendre forme, en fin de compte. C'est surtout ça que je ressens. Hein, il y a vraiment ce côté sur le plan émotionnel et relationnel. Les choses vont vraiment
être en adéquation, les personnes vont être en adéquation ou en harmonie avec vous-même ou entre elles. Il y a vraiment ce côté où le relationnel va fleurir, c'est-à-dire tout ce que vous avez souhaité, que vous avez mis en place pour améliorer ce côté relationnel. Je me répète, mais c'est ça. Hein, il y a vraiment, ça va prendre forme. Hein. Donc, vous voyez, comme vous êtes dans un autre état d'esprit, c'est ce que je vous disais auparavant, automatiquement, ça va vous attirer des personnes qui sont plus en vibration avec vous-même. Ensuite, je vous laisse vous poser la question pour la carte mystère, comme d'habitude, et la réponse est: la méditation apporte des réponses. Donc après, tout dépend de votre question, mais c'est surtout que ça veut dire rester zen, rester quand même, prenez du temps aussi pour vous, même si là, les choses se précipitent ou sont en train de se transformer, prenez aussi du temps pour vous, quitte à vous isoler, mais ça veut dire vous mettre à l'écart des autres. Mais voilà, il y a vraiment ce côté de se retrouver avec soi-même pour pouvoir retrouver les autres. Namasté.